Allons ici, allons ici. Alors, bravo. Voilà. C'est bien, Osep Nefer. Continue, continue. Et à parler, et à parler. Et tout t'amène, de tout ce que tu dis, t'amène à ta chute et à ta fin fatale. Pourquoi? Oh, ça fait depuis un moment, ça fait depuis longtemps que j'avais filmé sur ça. Souvenez-vous? Et que j'avais montré, regardez. J'avais montré sur ça. Parce que ça, ça trahit énormément Osep Nefer. Parce que j'avais expliqué que de tout ce qu'on voit là, fait le lien avec le dragon rouge, fait le lien avec Marduk. Et en réalité, regardez, les drapeaux qu'on voit là, les drapeaux, ce sont les drapeaux des nations de la bête à sa tête. Là, ça parle des nations démons. Les nations 666 du dragon rouge, Christ Allah Marduk. Et j'avais montré sur ça. Et souvenez-vous que j'avais expliqué sur Tanguma. Parce que le dessinateur, celui qui a dessiné, est en lien directement avec franc-maçons, avec les politiciens. Et j'ai montré la preuve sur ça, que Tanguma a montré sur Osep Nefer. Parce que lui, Tanguma et les reptiliens, aussi bien Obama, Bush, B-U-S-H, tout ce qu'on voit, même Macron et la France, ils savent la vérité qui est Osep Nefer, que c'est la sorcière Osep Nefer. Ils savent la vérité sur elle, qui elle est. Mais il faut comprendre, donc, de l'autre, souvenez-vous que j'avais filmé et que j'avais montré la preuve absolue que où on voit Osep Nefer tenant le drapeau avec son serpent et qu'on voit, on voit une fausse race blanche, on voit les Amérindiens, on voit les Indiens, on voit Espagne, Espagnol, on voit des Asiates. Souvenez-vous que j'ai expliqué sur ça, que lui, Tanguma, le dessinateur, que quand il a dessiné, il a montré, parce qu'il faut bien comprendre sur ça, il a montré de ce qui s'est passé avant et il a montré aussi le présent. Ça, ça veut dire qu'il a tout mélangé. Il a montré de ce que Marduk, Christ Allah Marduk a fait. Donc on voit où on voit une jupe écossaise, Osep Nefer avec le drapeau, avec son serpent, l'asiate, les animaux démons de Marduk. Tout ça définit, et j'ai expliqué sur ça, c'est ça la réelle définition, la colonisation. Que ça, ça définit que la race reptile de Marduk, les reptiliens, donc de Christ Allah Osep Nefer, Baal Marduk, ont colonisé la terre de Dieu et ont volé la terre de Dieu. C'est ça qu'on voit sur l'autre dessin. Et là, souvenez-vous que j'avais montré sous 2018. En 2018, j'avais filmé où on voit le nazi avec le masque, son masque démon, avec le sabre, donc on voit le fusil. La mitrailleuse. Donc, quand il était venu, Trump, souvenez-vous que Trump était venu à Paris, était venu à Paris. De là que quand les politiciens étaient venus à Paris, souvenez-vous, au mois de novembre 2018, et j'ai montré la preuve sur ça, c'est là qu'ils ont fait aussi le rituel 666 contre mon fils Joshua. Souvenez-vous de ça, contre mon fils Joshua. Et ils ont fait le rituel 666 aussi contre la colombe divine de Dieu Isis. Et que je vous ai montré sous la colombe de Dieu Isis, que ce qu'on voit, le sabre démon de Christ Allah Marduk Osep Nefer, avec son sabre qui vise la colombe de Dieu. Et que je vous ai montré que trois mois après, souvenez-vous de ça, c'était sous l'année 2018. Trois mois après, Dieu a dit que sa colombe divine reviendra. Souvenez-vous de ça. C'est pour ça que Tanguma a montré deux colombes. C'est pour ça que lui, Tanguma, parce que Tanguma, il a tout mélangé. Il a montré que le rituel 666 sur l'année 2018, donc ça c'est passé, c'est déjà passé, que ce monde-là, donc les reptiliens avec leur marque 666, avec leur drapeau démon, tout ce qu'on voit, ont fait un rituel sur novembre 2018, et de là, ils ont attaqué la colombe de Dieu Anna, donc qui est Dieu Isis. Mais souvenez-vous que j'ai expliqué qu'ils ont fait aussi sur novembre 2018 et depuis toujours, depuis longtemps, qu'ils ont toujours fait le lien avec le soldat couché. Soldat couché, 666, qui définit le soldat inconnu.
Souvenez-vous que j'ai montré celui que, on vous dit, le soldat inconnu, donc les politiciens qui viennent, qui portent de ce qu'ils disent gerbe de fleurs, où on voit écrit arc de triomphe. C'est ça qu'on voit. Et souvenez-vous, là, elle s'est trahie au Sept-Néfer, hein, parce qu'elle a confirmé ce que j'ai dit. Souvenez-vous que j'avais dit et expliqué que ce qu'on voit définit que la E, les nations 666 de la bête à sept têtes, de Christ à la Marduk, avec ses peuples, parce que c'est ses peuples qu'on voit là. En réalité, c'est les reptiliens qu'on voit là. C'est les tribus de Marduk qui sont là. Et qui font croire, voilà ce qu'ils font. Souvenez-vous que j'avais expliqué sur ça. Ils font croire que soi-disant qu'ils sont pour la paix et que soi-disant qu'ils combattent le dragon, que soi-disant qu'ils combattent les politiciens, que soi-disant qu'ils combattent la bête à sa tête. Souvenez-vous que j'avais dit sur ça et expliqué sur ça. Regardez, la fausse race blanche d'Osef-Nefer, donc les Anglais, regardez l'Arabie, l'Amérindien, les Arabes. Asiat, regardez, ils sont tous là, ce qu'on voit là, ce qu'il a dessiné, ce qu'ils ont dessiné les politiciens, en accord avec bien sûr le dessinateur Tangouma, parce que c'est les politiciens qui ont mis ça. Quand les politiciens religieux, ils ont mis ça en lien avec Tangouma, le dessinateur, eux les politiciens, ils ont bien dit à Tangouma qu'il faut montrer leur nation 666 et les peuples de Marduk. Les peuples de Christ qu'il faut montrer. Donc c'est ça qu'on voit. Il n'y a pas de peuple de Dieu là. Il n'y a pas de peuple de Dieu. Et c'est ça qu'il a trahi à Osef-Nefer. Et fausse couleur, regardez, on voit la fausse couleur du dragon. Regardez, on le constate sur ça. Et c'est ça qu'il a trahi. Parce que tous les drapeaux qui sont là ne sont pas de Dieu. Donc Osef-Nefer, elle s'est trahie. Parce que j'ai expliqué ça sous l'année 2018. Hein, en expliquant que ça parle du diable. Et que eux, avec leur 666, ils font croire que soi-disant qu'ils sont pour la paix. On a constaté la preuve sur ça. Que tous les prêtres, en plus les prêtres, ils se font nommer, ils se font appeler père, les prêtres. Parce que c'est ça qui trahit Osef-Nefer. Père, c'est prouvé que Marduk, Christ à la Marduk, se fait appeler père. Et donc c'est ça qui l'a trahi. Et les prêtres religieux, ils se font appeler père. Donc tout ça l'a trahi, l'a contredit. Mais souvenez-vous que j'ai montré sur lui, sur celui dont on voit coucher, ça définit la France. Le soldat inconnu, celui donc qui est vénéré et que eux, les religieux, ils ont toujours fait des rituels 666. Donc, mais là, ça trahit complètement parce que j'ai expliqué ça sur 2018, même sur 2019, et j'ai montré sur ça. Que ça, là, ça parle des nations de Marduk. Hein. Et ils font croire qu'ils sont pour le bien et que soi-disant qu'ils sont... Ils font croire que soi-disant qu'ils sont pour Dieu. Et tout cela est faux. Ils ne sont pas pour Dieu. Parce que là, Marduk a montré la vérité que là, ça veut dire que les reptiliens, la race de Marduk, hein, la race reptile, défendent les nations de la bête à sa tête. Hein. Les drapeaux 666 du dragon rouge. Hein. Et c'est ça qui trahit Osef-Nefer. Oh,